On a l'absinthe, yaka yaka. Vous
Lorsque vous laissez mourir votre soldat, ça signifie que vous ne voulez plus être chef. Question ya moralité ya armée nabiso. Na lobaka mingi na ba collaborateur nangai que le premier devoir d'un chef, c'est de se faire aimer par ses collaborateurs. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par vos collaborateurs si vous les laissez mourir de faim. Vos collaborateurs doivent se sentir protégés. C'est une question d'éducation à l'éthique et à la déontologie militaire que nous allons entamer aussi. Je vous donne l'information, je la donne surtout aux responsables ici, que bientôt nous allons avoir un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans le commandement militaire qui sera patronné par le président de la République. Les militaires qui abandonnent les postes parce que il faut qu'il y ait un peu de temps à Kolia, à Tekipos et Naye, à Kolokabilo à Kolia, Baboumi et Nanzela. Ça, nous sommes conscients, encore une fois, logistique de combat. Nous n'avons pas suffisamment de rations de campagne parce que normalement, il faut soldats Kende, n'a Bezas et Naye, d'ailleurs Bezas. Est-ce que vous pouvez poser la question d'avoir Bezas? Alors, soldats Kokenana Bitumba, sans besace, il faut, ce n'est pas une armée avec où un soldat va au front sans besace. Nakati a besace, il faut Azanama Kokignon, soit à secours, ne fût-ce que pour 24 heures, 48 heures, ça dépend. Tout ça, ce sont des moyens logistiques dont je vous ai parlé, pour lesquels nous sommes en train de réunir certains partenaires, réunir les membres, les moyens du gouvernement pour que la logistique militaire soit quand même un peu plus rehaussée que ce qu'elle est aujourd'hui. «
les véhicules qui sont confisqués par les commandants. Oui, je suis au courant de ça, que le commandant Mingi, le véhicule, il va passer à Bango, Bango Bazali, qu'on va dans la cité, va abandonner le soldat Bazan à ma position, et les véhicules circulent dans la ville, dans la cité, alors qu'au front, il n'y a pas un seul véhicule. Soyez rassurés, je travaille ardemment là-dessus parce que c'est urgent que tout corriger biloko wana. Dernièrement, j'ai acheté 40 jets pour le Nord Kivu et le Ituri. Bazan état de siège. Celui-ci a reçu les éclats de balle et puis il est tombé à tête. C'était fait. Oh oui, nous le faisons. C'est passé à 95 même l'auditoire. Celui-ci, c'est le capitaine. Nous sommes tous pour attaquer la nouvelle. Ça pour où? Celui-ci. C'est la vraie littérale? Non, capitaine. Nous sommes tous pour faire un commandement et armé. Que nous devons enlever, mais il y a aussi la chute du pied. Celui-ci a le même cas aussi. C'est nous qui faisons presque tout le monde. Ils sont tous les mêmes. Le cas vient de Minem. Ils sont tous les mêmes. Oui. Ah bon, bon. Ça va. Allons-y. La principale recommandation est une recommandation qui correspond à la situation pour laquelle je suis venu ici. La ville a été agressée, il faut détecter les agresseurs, il faut les neutraliser si nécessaire, et il faut prendre des dispositions pour que cette agression ne puisse pas se rééditer. Ce sont des doléances qui doivent être programmées, planifiées et budgétisées. Ça demande de l'argent,
Je suis déjà dans ce processus, donc ils ne m'ont rien présenté de nouveau que je ne connais pas. Je suis déjà dans le processus de résoudre les questions qu'ils m'ont posées. C'est pour cela que j'ai dû bouger sur instruction du commandant suprême et du premier ministre. Elle n'est pas bonne. Et nous sommes venus pour trouver des solutions, d'abord immédiates, mais aussi définitives à la situation. Il y a des ennemis qui veulent, en quelque sorte, énerver la population et, en fait, présenter l'état de siège comme si c'était la pire des situations. C'est de l'intoxication et il faut que les autorités, tout comme la population, fassent attention à ce genre de personnages. Minembwe et les autres coins au sud Kivu sont prévus dans mon programme. Si je suis venu, c'est parce qu'il y a eu une urgence extrême pour la ville de Bukavu, mais ils sont déjà prévus dans mon programme.